géant de nos forêts n'était pas très grand, mais il dormait de sa masse de feuilles vernisées. Une ombre compacte, il éloignait la chaleur. Quand il fleurissait, une odeur entêtante se répandait sur toute la concession. Quand apparaissaient les fruits, il nous était tout juste permis de les regarder. Nous devions attendre patiemment qu'ils fussent mûrs. Mon père, alors, dit en tant que chef de famille, et chef d'une innombrable famille, gouvernait la concession, donnait l'ordre de le cueillir. Les hommes qui faisaient cette cueillette apportaient au fur et à mesure les paniers à mon père, et celui-ci les répartissait entre les habitants de la concession, ses voisins et ses clients. Après quoi, il nous était permis de puiser dans le panier, et à discrétion, mon père donnait facilement et même avec prodigalité. Quiconque se présentait partageait nos repas. Et comme je ne mangeais guère aussi vite que ses invités, j'eusse risqué de demeurer éternellement sur ma faim, si ma mère n'y prit la précaution de réserver ma part. Camarade là, l'enfant noir. Question. Quelle est la durée de vie d'un oranger? 2. Quel rôle joue le feu des arbres? 3. Quel est le rôle du chef de famille dans les caisses? 4. Montrez comment le chef de famille se comporte avec son arbre. 5. Quelle est le sentiment dans les caisses? 6. Quelle est l'importance de l'arbre? Bravo pour